Bien le bonjour guys, c'est votre gars sur CS Persco. On se retrouve dans la deuxième partie. La première partie ça s'appelle comment faire des dreadlocks partie 1. Et là on est dans la partie 2. Dans la partie 2, ben, je vais vous montrer le prolongement en fait de ce qu'on a fait dans la première partie. Si vous avez fait les dreads comme je vous ai montré dans la première partie, ben là je vais vous expliquer un peu comment vous allez faire pour gérer la situation. Petit disclaimer parce qu'il faut que je précise un truc. Je suis pas un coiffeur, je suis pas un professionnel, je suis pas un, je sais pas moi, un maître en la matière en ce qui concerne la coiffure de dreadlocks. Qu'est-ce que je peux même dire? J'ai juste découvert petit à petit en essayant des trucs, en mettant raté plusieurs fois, et ben j'ai compris un peu comment ça fonctionne en fait. Prenez ça comme ça, ne vous dites pas que, voilà, ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis, donc voilà, ça se trouve, je dis n'importe quoi, ou peut-être pas, donc voilà. Vous savez comment ça se passe? Il y aura générique et mes réseaux sociaux, c'est temps pour vous de vous abonner, de mettre le pouce bleu et de venir sur ma chaîne secondaire, ça s'appelle l'Internet. Rentrez-vous ça bien dans la tête et venez vous abonner là-bas. On se dit à tout de suite. Générique. Ok. Buzz it, whip it, lick it, and I'm scoring. Swish, swish. Dripping, slipping, she's so wet, it's boring. Fancy be- Guys, avant de commencer, la première des choses, c'est mettre le spray. Utilisez un spray pour humidifier vos cheveux. C'est comme si j'arrosais des plantes. Quoi. Bon. Toi, qu'est-ce qui te donne de la chair de poule? Donc voilà, on a commencé par humidifier les cheveux. Vous qui avez regardé ma première vidéo, eh ben, après avoir lavé vos cheveux seront dans un état pas possible. Donc ce qu'il faut faire, c'est quoi? Je vais vous montrer rapidement ce qu'il faut faire parce que nous, on va utiliser une autre technique. Ce que vous allez faire, c'est juste des twists, refaire des twists. Si vos locks se retrouvent, que vous avez attachés comme ceci, s'ouvrent, se détachent, genre ça sera comme ça, mais la racine peut être attachée, et bien vous avez qu'à recommencer. Vous n'avez qu'à les réattacher comme ceci, vous voyez, et ensuite vous continuez votre affaire. Donc le but, ça sera quoi? Vous avez les cheveux comme ceci, en 2-2, et bien vous, ce que vous avez à faire, c'est juste de les garder collés, de les tourner en mettant la crème ici, là, et comme ceci, attendez, vous allez voir rapidement. Et ensuite, vous allez les twister comme ceci. Vous allez twister ça comme ça. Voilà, mais moi, je ne vais pas utiliser cette technique-là. Je vais utiliser une autre technique. Je vais quand même vous montrer parce que nous, c'est ce qu'on va utiliser ici. Là. Je répète, vous allez vous retrouver avec des cheveux vraiment en pétard. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Elle a déjà des locks. Mais vous n'avez pas encore des locks. Vous avez juste des cheveux qui ont été twistés, qui sont dans cet état-là. Vos cheveux sont comme ça. Ce que vous devrez faire, c'est quoi? Vous les gardez dans cet état-là, mais vous venez juste ici, là, à la racine. Vous séparez bien les cheveux comme ceci. Attendez, mes bras, c'est la fin du bruit, je vais les cacher, voilà. Vous séparez bien les cheveux comme ceci. Vous prenez les cheveux qui sont autour, là, vous voyez? Moi, je prends bien les cheveux, là. Vous voyez ça, non? Regardez bien. Tous les cheveux qui sont autour, là, ceux-là, tous ceux qui sont là, je sépare bien. Mettez la crème aussi, j'ai oublié de vous dire ça. Faites ça avec la crème, vous voyez. Vous prenez la crème et vous mettez ça là, vous voyez. Vous appliquez bien la crème. Si vous en avez, en tout cas, je vous conseille. Pas forcément des crèmes pour dreadlocks, n'importe quelle crème. Vous prenez votre crème, vous mettez à la racine, vous prenez bien les cheveux qui débordent et ensuite, vous tournez comme ceci, vous voyez. Vous avez tourné comme ceci. Vous prenez aussi les cheveux qui seront de ce côté-là. Et vous twistez. Vous faites la même chose. Vous avez nettoyé là et vous twistez. Voilà. Je vais vous montrer donc une autre technique. C'est celle que moi, j'ai utilisée. Alors. Moi, je vais retwister, mais de façon à ce que ça ait un peu beaucoup plus de styles. C'est ce qu'on va faire. On va prendre donc. On va faire ça comment? On va faire ça là, c'est mieux. Voilà. Tu vas garder le pot. Tiens. Je sépare bien. Vous voyez? On sépare bien. Comme ceci. On a séparé les cheveux.
On met la crème là. On met la crème sur la racine des cheveux. Prenez le temps de bien laver vos cheveux avant de vous lancer dans cette entreprise là. Donc j'ai séparé les cheveux comme ceci, c'est séparé, vous voyez? Oui, vous voyez. Je tire bien la loxe comme cela. Voilà. Je tourne ça. Ah merde, il voit pas. Voilà, comme ceci. Je tourne. J'ai mis la crème. Donc, mettez la crème. Si vous n'avez pas de crème, bah voilà quoi. Si vraiment vous ne pouvez pas avoir de crème, c'est pas grave. Laissez. Une fois que j'ai mis la crème, une fois que j'ai tourné, j'ai mis la crème, je tourne mes cheveux. Voilà. Vous voyez? On est à ce niveau-là. On va prendre aussi les cheveux d'ici, on va faire la même chose. J'ai déjà mis la crème, donc tout ce que j'ai à faire, c'est juste séparer. Là aussi. Et voilà, j'ai tourné les deux. J'ai commencé par là parce que je vais faire un modèle. Donc on va tourner ça comme ça. Vous voyez, attendez, vous voyez les cheveux là. Vous voyez comment j'ai tenu? Eh ben je tourne comme ceci, tout en gardant les cheveux collés. Donc vous voyez, tout est dedans. Et on arrive au bout, on garde comme ceci. Je vais venir là, je refais la même chose. J'aurais dû commencer peut-être à mettre, voilà, je vais poser ça dans un coin et je continue avec les cheveux qui sont ici là. La plupart des gens qui font les dreadlocks là, et ben eux ils font ça avec un peigne. Moi j'ai la flemme, donc je mets pas de peigne. Vous voyez, je mets bien la crème au niveau, vous voyez, de la racine là. Je mets la crème et je sépare toujours les cheveux. Vous voyez? Après, il ne faut pas dire qu'il ne nous a pas dit ou je sais pas quoi. Je vous montre tout correctement. De votre côté, tout ce que vous avez à faire, c'est juste de vous abonner, de liker. Très important. On fera peut-être une vidéo 3 ou je sais pas trop. Mais ce que je vous demande, c'est de vous abonner, c'est important. Vous voyez encore? J'ai tourné ma loxe. Et je prends les loxes que j'avais laissées en haut là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter ça là. Vous voyez? Je rajoute ça. Voilà. On a rajouté ça comme ceci. On n'a pas fini. On va rajouter les cheveux qui sont autour. En fait, le but, c'est quoi? Je me suis fait déjà une idée dans ma tête de ce que je vais faire, de où va passer ma loxe. Ça va faire cette route-là, ça va faire ça. Donc, il faut déjà commencer par vous dire ce que vous voulez faire. Si vous voulez, vous pouvez aller tout droit comme ceci. En fait, c'est à vous d'imaginer le truc. Mais moi, dans ma tête, je me suis fait déjà une ligne imaginaire qui va passer par là. Vous voyez? Ça va faire ça et ça va descendre. Donc, je commence par là. Je mets ça sur le côté et je vais prendre le devant, les cheveux qui sont là. Ça, il faut faire ça vraiment soigneusement. Si vous pouvez prendre un peigne, bah, je vous conseille de prendre un peigne pour que ce soit vraiment propre. Parce que c'est le devant du visage, c'est la première chose qu'on voit quand on rencontre une personne. C'est ça. Donc, le devant là. Je mets la crème. Je précise, hein, je ne suis pas coiffeur. Je suis juste une personne qui s'est trompée une fois. Et qui a compris comment fonctionne la chose. Et qui kiffe les locks. Parce qu'il faut savoir que cette coiffure-là, elle est vieille comme le monde. Nos ancêtres portaient des dreadlocks. Et nous, eh ben, on essaie de perpétuer... De perpétuer cette coiffure-là et cette mode-là, si on peut dire ça comme ça. Voilà, je reprends mes cheveux que j'ai laissés là et je continue avec le même style, le même truc. Je prends ma loxe, je la fais passer autour.
Vous voyez, j'espère. Oui, monsieur. On me suit. Vous voyez ce que ça fait? Je vais prendre chaque fois des cheveux de ce côté-là et de ce côté-là, de ce côté-là et de ce côté-là. C'est ça le but. Je pense que vous avez compris. Je peux laisser ça là, c'est pas grave. Et on va continuer comme ceci. Bien comme ceci. Voilà, je pose ça à côté. Aïe, merde, c'était fait. Mais je vous conseille quand même de mettre un élastique. Garde ça, je pense que je vais prendre un élastique. Bon, tiens ça comme ça, c'est pas grave. Tiens juste ça pour ne pas que je perde ça. Voilà, garde ça en attendant que je prenne les cheveux qui sont sur le côté là. Donc ça va faire quelque chose. Pour éviter que ça puisse se défaire tout le temps, je mets l'élastique sur le bord là. Voilà, là maintenant c'est bloqué. Et je peux continuer tranquillou. Toujours suivre le rythme. Si tu fais ça, ça fait 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jamais faire 1, 2 et puis tu prends là. À moins que vraiment tu arrives à un niveau où il n'y a plus de cheveux. Là tu peux essayer de bricoler un truc. Sinon, respecte toujours le truc. C'est comme la danse, faut jamais aller avant la musique. Voilà, merde, j'ai mis la crème, j'ai mis trop de crème. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de bricoler là? Voilà, un peu comme ça. Voilà, j'ai serré. Et j'attache. Le problème, c'est que les crèmes là, hein, après, ça démange, mais comme pas possible. Tiens le cheveu là, s'il te plaît. Là. Voilà, regarde ça en bas. C'est juste pour ne pas que ça puisse se défaire. On continue notre chimie. On prend la lox là. On la tourne. J'ai tourné et on est parti. Je mets là deux. Voilà ce qui est l'autre là qui veut se défaire. Tiens. Voilà, garde ça comme ça. Cette fois-ci, essaie de pousser ça un peu comme ça. Je vais tirer ça rapidement. On va te faire belle. Tu vas être belle. J'avais une soeur là comme ça. Elle dit, je suis belle. Donc, je suis belle. Oui. On va me tresser, je serai belle. Et je sais pas, vous voyez pas, on dirait. Voilà, je suis en train de mettre les cheveux. Ouais. Ça fait mal. Hein? Ou bien c'est trop doux? Ça fait mal. Je. Ou tu as mal? Attends. Arrête de pleurer, quoi. Petite, quoi. Pas comme d'habitude. Tu as dit, tu veux un style.
Moi, je veux que tu me fasses le style là. Tu tournes ça comme ça là. Et le style là. Mais on va te faire ton style. Mais ma chérie, il faut sauver boîte belle. Hein. Tiens comme ça. C'est même pas fait. C'est la même chose. C'est ça la créativité. On va essayer de. C'est la même chose. On va faire ça de façon différente. Oui, mais là je suis en train de montrer aux gens qui comprennent. Après je vais couper, je vais mettre en accéléré. C'est moi pour la première anatomie qu'il doit avoir. Le premier jour, ça fait super mal. Moi, quand j'ai fini comme ça, là, j'envoie deux comprimés de Voltaren. Deux, boum, boum. Ça arrive dans le cerveau qu'on peut voir. Wow! On peut acheter de souffrir, mais qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé ce... Ça m'a fait du bien. C'était quoi ça? Mon gars, c'était la Voltaren. Tiens, règle l'autre main. Non, l'autre main là-bas. Voilà, bloque ça comme ça. Le bloquer. Je n'ai pas attrapé. C'est pas grave. Mais oh, tout à l'heure, j'avais bloqué. Là, c'est maintenant que je n'ai plus bloqué. Tu n'as pas vu ma petite question. Elles ont bien s'occuper de toi. Elles payent même pas aussi. C'est elles qui donnent des exigences. Non, moi, je veux tel modèle. Tu as payé pour ça. Les gens qui sont là, ils veulent un problème. Laisse. Il veut qu'officiel ce perso s'occupe d'eux. Et là, il s'occupe de toi, cadeau comme ça. Ça, ça gagne pas pain d'air. Ça mange pas de pain. Tu me fais travailler cadeau. Ouais, ça commence déjà à se former. Il y a une natte qui se forme. Bon, maintenant, je vais passer en mode accéléré comme ça. Voilà quoi. Essaye de faire un peu plus vite. Et c'est parti hein. Thank you.
Comme je disais, la soirée là. Donc la fête là, c'était la fête à ne pas manquer. Si tu manques, c'est que toi tu es un, comment on dit, tu es un zaï. Soyez carrément. C'est que toi tu es soyé. En fait, quand la terre tourne, là, quoi, toi-même si tu n'es pas en train de tourner avec elle, c'est le problème de personne. Nous, on ne te calcule pas, nous, on s'est dit quoi? La fête, là, nous, on va pas participer, mais jamais de la tu vie. Tu connaissais la fille au téléphone? Ah, non, moi, je la connaissais même pas. Tu peux aller à la fête? Moi, il fallait que j'aille à la fête. Il fallait qu'on sache que moi, j'existe. C'est bien aussi. Non, même pas. Moi, j'étais pour moi. Oh, au village, ça va pas quoi. J'étais au moins dans mon Afrique, la belle, là-bas, tranquille. C'est quoi, villageois? Nique ta mère. Non, toi tu me prends la légère quoi. J'étais quelqu'un. En fait, c'est ce qui me faisait mal, c'est quoi? Moi je suis quelqu'un, viens comme ça. Moi déjà, je suis quelqu'un. Et puis, des vrais gens organisent une soirée et ils m'invitent pas alors que moi dans ma tête, je suis quelqu'un. Tu te rends compte de comment ça nous faisait mal? Mais oui. Bon, en tout cas, j'étais quelqu'un. Nous, c'est qu'il y a déjà quelques personnes qui savaient que eux là, c'est des gens. Tu vois. Donc si les quelques personnes ne me voyaient pas aussi à la fête, là, ça fait. Alors finalement, nous on pensait que nous tous on était des gens avec lui. Nous tous on, lui et nous, on est des gens, mais lui n'est pas là. Là où nous on est, tu vois. Ça allait pas faire beau. Donc, Régis et moi, on a dit. On s'en bat les couilles. Non, on va être là-bas. C'est pas notre problème. Écoute l'histoire. Mais nous-mêmes, tu n'as pas l'invitation, toutes les invitations, l'invitation c'est quoi? Ce n'est qu'un papier. Nous, c'est notre présence. Ils vont voir qu'on va tuer ça. Moi et mon ami Régis, correct, on va participer à cette fête-là, qu'ils le veulent ou non. Nous, on n'a pas d'invitation, donc il faut chercher un moyen pour rentrer là-bas. Et puis ces bâtards-là, quoi, je t'ai dit, ça c'est la soirée de l'année. Il faut la carte. Tu arrives là, les gardes là, ouais, la carte. Yeah. Et soirée de l'année, il y avait des gardes qui étaient là, la carte. Comment, je sais même plus par quel, peut-être on a même sauté le mur. Je me souviens plus par quelle magie. Hein. Nous on est fait pour rentrer dans la soirée là, mais en tout cas on était dedans. Boum, la soirée commence. Régis, on a dit, on était arrivé je pense en retard. On dit, écoute l'histoire. J'ai dit, Régis. Les habits que tu veux porter pour ta présidentielle, tu portes. Tiens, c'est ça. Non, l'autre habit là. Ça là, j'ai dit, tu vas me. Ça veut dire les beaux habits que tu as là, tu dois fouetter ça. Mais nous, on aimait le style. Mon ami Régis et moi, on vivait pour le style. Ah, mais comment? Tu peux nous tester sur n'importe quel terrain, mais pas le terrain de la SAP. Ça, c'est un manque de respect. Oh, voir. Un Congolais peut accepter toutes les défaites, mais pas cette défaite-là. Donc, on est là. Tape les fraîcheurs. Jean Slimmer. Oh, en ce moment, il y avait de ces perles à nous aussi. Hey, on avait de ces perles à l'aise. Taper la perle, lui aussi, il a tapé sa paire. On est parti à la soirée. Le style était trop fort. Mais je ne sais plus si on est sauté le mur. Ou bien comme ils ont vu seulement, notre style était trop fort. Ils ont dit, ah, peut-être qu'ils ont oublié même leur invitation ou je sais pas, quelque chose dans la lox. On est arrivé, boum, on se retourne dans la fête. La fête est en train de se passer, donc on est là, ouais. C'est moi, c'est pas moi, mon gars. On est content parce qu'on est rentré. Je t'ai dit, Régis, on est des hommes, on n'est pas des hommes. Ouais, on est là. Oh, mais le problème, le truc, c'est que nous, maintenant, on connaît tout le monde. Régis se pense, la fille qui a fait la fête là. Tiens, celle-là, l'autre main là-bas. L'autre, celle-là, l'autre main, donne l'autre main. Passe de ce côté, voilà. Mais je pense que lui-même, il connaissait pas la fille, mais je pense qu'il l'avait déjà vue. Vite fait, ou je sais pas. En tout cas, il sait pas quelle magie comme ça. Là. Donc, on arrive là-bas, boum. On rencontre beaucoup des habits, à nous qu'on connaît aussi. Donc, on est là. Oh, nous, c'était la belle vie. On est assis à la table, je sais pas, avec des gens aussi qu'on connaissait quand même. Nous, on se lève là, on s'agite, on cause. Non, moi je suis là, lui de l'autre côté là-bas. Tu vois, moi je suis de ce côté, lui de l'autre côté. On se salue là. Ouais, c'est comment? Ça y est, Gilo, hein? On se voit plus des paroles là. Genre vraiment, c'est notre moment à nous.
la fête en train de se passer là. On est là, ouais, les bouteilles sur notre table aussi, tout ça là. On va, on se sert, on mange, on est bien. Donc, au bout d'un moment, je ne sais pas ce qui s'est passé. La fille qui faisait la fête, boum, elle voit le beau gosse. Nous, on ne comprend pas ce qu'il y a. Moi? Oh, mais le beau gosse, c'est moi, tous. Donc, je viens de t'expliquer, non? J'étais sur quelle histoire, à quel niveau? La fille t'a vu. Oh, je ne sais pas par quelle. Bon, tout dépend si ça fait, donc elle est toujours finie par me voir. On voit tout ce monde. Ah, moi, je sais, ben. Je sais pas, bon, nous, tu vois, on était excités de, non, les excités de la vie. Mm-hmm. Donc, je pense que. Tout en plein milieu de la piste. Voilà. Nous, notre agitation, ça fait compliqué. Bon, de toutes les façons, on se lève pour aller prendre à manger. Mm-hmm. Les choses comme ça. Tiens, là, tiens ça là plutôt. Mm-hmm. Voilà, on se lève pour prendre à manger, on fait des trucs. Donc, à un moment, on se lève pour prendre la nourriture. On ne peut pas laisser ça passer. Bon, charismatique, on ne veut pas prendre la nourriture. Ça dit non, 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 non. Laisse-les partir. Bon, on ira prendre après. Parce que sinon, on va faire, on va voir comment on est un peu trop agité pour la nourriture. C'est pas bon ça. C'est pas bon pour notre image. Moi, le reste est calme, c'est bon. Hein? Il a su te calmer. Ah, le reste, lui, il est trop chaud. Ah, le reste, lui, tout pour son comment on dit, son charisme. Mm. Il peut pas voir zéro dans des endroits comme ça. Mm, donc, on est là. On attend un peu, les gens sont partis. On attendait un peu vers la fin. On partait trop aussi à la fin, on risque de tout rater. Donc, on est allé un peu vers un bon moment. Là. Mm. On arrive là pour nous. On part installer, tout le monde nous voit. D'ailleurs, nous, tu t'es dit, on est tapé des styles. Non? Mmh. Il a mis ses habits de la présidentielle. Moi, bon, c'est boum, j'ai sorti mes derniers trucs. Mmh. On passe là. On dit que c'est là que la petite nous a vus. Mmh. Tiens, là, il y a l'autre main là-bas. L'autre main là-bas. Mmh. Tiens, parle. Elle voit le. Elle a vu le beau gosse. Mmh. Elle a vu les styles du beau gosse. Mmh. Elle a regardé où on est allé s'asseoir. Où est leur table? Où est leur table? Ces garçons-là, je les veux. Elle a fait, elle a trouvé la table où on est assis. La fille, maintenant, elle fait que tourner là. Oh. Elle fait que tourner là où nous on est, là où les beaux gosses sont. Mon ami, Régis, a suivi l'action. Elle dit que la petite l'a suivi, on dirait que le beau gosse était assis là. Elle dit Yann, on dirait que la petite l'a flashé sur toi. Comment ça? Ah, quand je te dis, on dit qu'elle a flashé sur toi. Je dis, ah bon? Ah, moi aussi. Là, bon, assez, tu vois, c'était pour quand j'étais jeune, j'étais encore beau. Je dis, quand j'étais jeune, j'étais très beau. Mm-hmm. Donc, moi, je m'occupais pas aussi trop de ça. C'est que, ah, elle me kiffe. Ah, c'est bon, c'est cool alors. Tu vois, j'étais pas trop aussi agité, excité là. C'est que parce que j'avais l'habitude que les gens me kiffent. Donc, ah, tant pis, hein, si elle me kiffe. Ah. C'est pas vrai, c'est des conneries. Peut-être me kiffe, tu as mal vu. Je te dis, hein. Ok, d'accord, cool. Tiens là, donc c'est là comme ça. L'autre main. Ah, on va voir si elle me kiffe. Donc on est là. La petite en question. Elle s'agite. Sauf que, un moment, elle vient chez nous, après elle repart s'asseoir. Là où elle est assise, là, il y a des gars aussi qui sont là. Nous, on sait que les gars là aussi, c'est des gars qui sont un peu agités, quoi. Ils aiment un peu aussi. Eux aussi, c'est des gens. Apparemment, la petite, elle peut être avec l'un d'eux. Sauf que oui, la petite était venue et son gars était là-bas. Mm-mm. Mais toi, comment, à ta fête, tu croises un gars, c'est toi qui jette directement ton dévolu sur lui. Mais tu vois comment? Oh, mais tu, non, on doit faire attention. Déjà que nous, on est venus sans invitation. Si ça pète ici, moi, j'ai pas envie qu'on me chasse comme un vaurien. Pardon, mon gars. Garde notre petit charisme là à côté. Donc, chaque fois qu'elle venait maintenant chez nous, était devenu vraiment, ça se voyait qu'elle voulait quelque chose. Mmh. Chaque fois qu'elle venait à notre table, les gars là, ils s'agitaient. Ils disaient, le gars, il disait à ses amis, surveille-la. Parce que c'était une petite, tu sens que elle aussi, c'était une personne. Donc, du coup, c'était un peu, disons plus, c'était elle la star de la soirée. Donc, il demandait à ses amis, surveille-la, les gars là, ils sont là-bas, surveille-la. La table, on dirait qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose là-bas. Tiens, l'autre main, donne l'autre main. Donc, les gens motivés là, on dit, mais comment on va gérer cette situation? Lui, ça dit, ah, gars, toi, tu peux pas. Toi, tu peux pas aussi le faire honte comme ça. Tu peux pas laisser ça. Là, il vient, il m'est toxique. Tu es un beau gosse, mon gars. Hein, je te dis, moi, gros, mes amis, là. Hein? S'il commence à te mettre dans le cerveau, on appelle ça le venin. S'il commence à t'intoxiquer, tu as ce mauvais qui te demande.
Tu es un beau gosse, mon gars. Tu es un beau gosse. Toi, la petite là. Apparemment, elle a chaille de toi. Toi, tu peux que gérer la situation. Bon, si, hein? Sérieux, oui. Ok. Donc, vu qu'elle venait tout le temps, j'ai cherché un moyen, un moment là. Quoi, elle était un peu. Elle était un peu seule. Vu qu'elle venait tout le temps, quoi, on guettait pas trop là. Et là, la sorda se passait rapidement. C'est comment? Causer un peu là. Bon, mais laisse-moi le numéro, vu que là, la fête, il y a trop de bruit, tout ça là aussi. Je sais plus comment je m'étais arrangé aussi à lui raconter quel bobard j'avais dit, ou je sais pas quelle technique j'avais dit. Elle aussi, vu qu'elle était déjà était pour être d'accord aussi. Hein? Tiens, la lox là. Prends mon numéro. Là, et l'autre nom. Prends mon numéro. Elle m'a donné son numéro aussi. Bon, on a pris le numéro. Résister, comment c'est bon? Il dit, ah, mais quand même. C'est bon. On a pris pour le numéro de la petite. Donc, la petite, hein, convaincue du gars. Mais moi, le problème, c'est que je suis trop fiereuse. Donc, j'ai pris le numéro. C'était du numago. Non, tout le temps. Ouais, tu reviens. Je te vois. Non, là, tout le temps, elle m'appelle comme ça. Pourquoi? Et là, c'est quoi? Toujours, on met dans des endroits. On doit aller à tel endroit. On va à tel endroit. On fait ci, on fait ça. Ah, là, c'est comment? On va où? On va, on met, non, regarde ma copine, je vais te présenter un tel. Tiens, elle le tourne, voilà. Donc, en tout cas, on était tout le temps dehors, tout le temps parti. Faut partir à tel endroit. Donc, on sortait. Mais après, moi, je sais pas si c'était passé aussi. Hein. Je dis, moi, c'est pas pour moi. Ça te fait du bien. Ça fait trop mal, hein. Quand vous attachez, en tout cas, faites quand même. Pour que ce soit beau, il faut tirer. Mais je vous conseille quand même de pas trop serrer. Parce que ça fait super mal. Moi-même, en ce moment, c'est ce que j'ai. Et je peux vous assurer que j'ai eu mal. Ça, là, ça nous a pris beaucoup de temps. Au total, on a fait combien? Menteuse, ça fait 2 heures, ça va pas. 3 heures. On a fait ça en 2 heures parce que je voulais qu'elle soit chic. Je voulais qu'elle soit zo. C'est pour ça. Ça a mis du temps comme ça. Sinon, juste d'abus, et bam, 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 c'est fini. Elle sort de là. On n'en parle plus. Mais pourquoi j'ai mis la loque ça? Je vais mettre ça de ce côté. C'est pas grave. On va créer un petit système. Là. Yeah, c'est la magie. Donne-moi le dernier élastique. C'est l'élastique de la fin. Ça marque. Période de liberté. Tu te sens libre. On peut donner 2 paracétamol. Aspirine, hein. Les gens ils me disent, oh non, fermez les locks. Et oh, je fais mal d'air. Je serre fort. Montre un peu le résultat. Voilà. Aux gens. Wow. Je vais faire avant et après, vous allez voir ce que ça donne. Tout le monde, s'ils vont voir. Oui, mais on a vu tes cheveux, comment c'était avant. Ça, c'est le champion qui l'a fait ça. Et comme ça, là. Waouh. Waouh, mais qui a fait ça? Et ta droite, ils vont bien voir. Ouais. Tout le monde, ils vont bien voir. Ouh.